Hey, 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 cucu mes petits culs, bienvenue pour ce nouvel épisode de Crooksuxopic Heist. Oh, alors attendez, je me souviens plus où j'en étais là. Il y a un mec qui vient voir là. Bon, il peut venir voir, il n'y aura rien. C'est vrai que je m'étais fait gauler, je ne sais plus comment. Alors, je vais déjà mettre. Non, c'est pas ça. Écoutez, hein. Tac, tac, voilà. Lui, il vient voir là. Ok, j'avais fait quoi? On avait notre cocotte qui était dans les tuyaux. Elle est où dans les tuyaux? Elle est là. Je ne sais plus pourquoi, mais elle était là. Et on avait les gars qui étaient ici, qui attendaient le déluge. Est-ce qu'on avait visité un peu tout? Oh! Ah non, c'est bon, coffre-fort. Un peu. Ouais, je me souviens qu'on avait visité tout le merdier ici. On avait été là. Oh, il y a une culotte. Dis donc, j'avais pas fait gaffe. Ah, il y a un truc brouilleur de caméra. Lui, il n'y a rien d'intéressant à y faire, à part ça, mais on n'en a pas besoin. C'est vrai, j'avais oublié ces boutons-là. Ah, bah oui, hein, c'est-à-dire que là, ça fait quoi, 2 semaines que j'ai pas joué? Donc, il faut que je me remette un peu dans l'ambiance du truc. Donc, allez, elle est là-dedans, elle est au-dessus de ça. Ok. Quoi? Attendez. Ça c'est. Ah, oh! Ah! D'accord. Ah, il fallait que j'ouvre ça. Que je débranche ça. Ah, il n'y a pas encore pas mal de choses à faire. Oh! Mon petit pied de biche. Ah, il me fallait pas une histoire de clé. Je me sens qu'il me fallait absolument une clé. C'est toi qui as la clé. Clé porte d'acier. Donc c'est toi qui vas devoir venir ici. Je me souviens qu'il y avait une histoire de clé, mais je m'en souviens plus trop. Bon, je vais mettre en route de toute façon. Je pense que mes bonhommes, là, les gars, ils vont aller ici après une fois que lui. Ah, c'est celui-là. Bon. Voilà. On va le laisser faire ça à son tour. Elle est là, elle est dans les tuyaux. Pourquoi elle était dans les tuyaux? Parce qu'elle était ici. Ouais, on avait fait un petit. Ouais. Ok. Bon, il va retourner dans son truc. Lui, il s'en va. Ah, j'avais pris. Parce que pour l'instant, là, je vois. Ils sont tous dans le bon sens pour pas qu'ils voient qu'ils rentrent. Donc je vais les faire rentrer. De toute façon, il va pas les voir. Je pense qu'on est tout bien comme il faut. Tiens, toi tu vas venir là. Alors? Et toi tu vas venir là. Parce qu'en fait, il va pas voir. Ouais, voilà. Bah, nickel. Bon, ça commence bien. Ils vont rentrer là. Ah, c'est vrai que j'ai pas pris Bishop. Ah, ça me paraissait bizarre. Pourquoi j'ai pas pris Bishop? Je me souviens plus. C'est vrai que du coup, je suis un peu coincée. On peut aller là, mais on peut pas ouvrir. Il est en train de la forcer. Toi, tu peux forcer? Non, bah non. Mais je suis coincée, en fait. Moi, il me faut une clé. Sinon, les gars, ça sert à rien qu'ils rentrent là. Ou je les fais rentrer là et. Faudrait que je les fasse. Ah oui. D'accord. Non, il faudrait que l'OPCO il vienne et défasse ça. Ici, qu'on ait la que elle est la clé. C'est bon, il lui tourne la. Peut venir jusque-là? Lobkowitz. Ouais, c'est parti. Tu peux venir là finalement. C'est bon, elle est sortie.
Ah, il regarde, d'accord. Reviens là alors. Dépêche-toi. Avant qu'il te voie. Elle. Elle est en sécu ici. En avant. Ok. Ah ouais, mais pareil, j'ai toujours pas de clé. Porte de sécurité. Ah, ça c'est chiant. Ah, ça c'est chiant. Ah ouais. Ah, il me faut le pied de biche. Putain, ça veut dire que lui, il faudrait qu'il vienne jusque-là. Mais pour qu'il vienne jusque-là. Ah si, il y a ici. Ouais, Rufus. C'est bon, Rufus. Tu peux sortir. Ouais, parce qu'en fait, Rufus, je vais le faire rentrer là. Et du coup, il va être dans le bâtiment. Je pourrais aller casser ici pour qu'elle prenne le pied de biche pour qu'on puisse ouvrir là, pour aller là, pour aller là. Non, mais ça va être un petit truc compliqué, hein. Ouais, il y a des personnes. Ouais, je sais plus, je croyais que j'avais pris Bishop. Je le prends très souvent, Bishop. Bishop, c'est le mec en bleu, hein, le John Lennon qui vous les porte comme ça. Mais en fait, je l'ai pas pris. C'est un peu chiant. Bon, on va se concentrer là-dessus. Toi, tu restes là. Ouais. Ouais. Ouais, on va faire ça. On va se concentrer sur un. Normalement, lui, il a pas de soucis. Ouf, c'était juste. C'est bon, l'autre il est parti, tu vas pouvoir aller là. Voilà, j'en ai fait rentrer un. Ici c'est désactivé. D'ailleurs, j'y pense, ce truc-là réactive tout? Non, ah non, lui, ça ouvre les portes. En fait, attendez, il faut que je réfléchisse. Et il y avait un truc dans le garage, non? Il n'y avait pas un bouton vert? Ça servait à quoi ça? Oh, c'était juste ça! Ah bon, on s'en fout. Je pensais que ça allait m'aider, mais en fait, pas du tout. Alors, il faudrait que moi, bah, j'arrive à faire rentrer au moins quelqu'un là. Parce que je comprends. Il faut déjà ouvrir la porte là, avec ce truc là. On va peut-être faire l'Obcovid, parce que comme ça, l'Obcovid, il désactive ça. Quelqu'un d'autre là. Et après, il va là, il fait le truc là, et les. Je crois que ça. Neutralise les systèmes de sécurité complexes, désactive de façon permanente les interrupteurs, portes et mécanismes une fois connectés. Donc c'est ça. Après, je pense que les deux portes que je vois, les deux portes sont connectées. Ouais, c'est ça. Ça fait. Ça désactive ça, et ça ouvre les deux portes. Hein, donc, il faut que je fasse rentrer quelqu'un en Prems. Mais pour faire rentrer en Prems, il faut déjà que je fasse rentrer les protagonistes aux bons endroits. Et ça inclut que lui vienne casser le mur là. Mais alors, est-ce que j'aurai assez? Ouais. Il n'y avait pas d'autres clés à choper par ailleurs. Il y a une clé là. Putain. Il n'y a pas moyen de venir ici? Faudrait que je ressorte. Il n'y a qu'une porte à l'extérieur. Oh là là. Là, je suis loin de l'extérieur. Il y a elle. Non, bah non. Ah si, là. C'est-à-dire que j'ai un pied de biche et j'ai une clé qui pourrait potentiellement m'aider à ouvrir deux portes vu que j'ai pas Bishop. Genre cette porte-là et cette porte-là. Mais il y a aussi cette porte-là. Ouais, est-ce que j'étais arrivée par là? J'avais ces deux portes-là. Bon, je vais me concentrer sur ce que j'ai déjà à faire. Toi, tu peux venir là, du coup. On va s'occuper de ça. Je pense qu'on est bien.
parce qu'il y a que lui qui peut briser les murs. Ah ouais, et puis il va devoir passer entre les... Ah bah non, il peut aller directement là. Attendez. Ici, il se passe quoi, ici? Ah ouais, il peut... S'il rentre là, ça nous sert à rien. On a déjà désactivé le bordel ici, donc en fait, ça sera une sécu. C'est-à-dire que là, ma prio, il va venir ici et il va rejoindre la cocotte par là, par l'intérieur. Ici. Ok, on va faire ça. La complexité. Donc l'objectif, c'est cette porte-là. Quand les deux auront dos tourné. Ah ouais, mais lui, il va regarder le couloir. Ah ouais, putain, j'espère que ça... Non, ça devrait se combiner quand même. Ils ont pas été dérangés dans leur garde, donc ils sont parfaitement l'un miroir de l'autre, quoi. Voilà. Là, ils le regardent. Enfin, ils regardent le couloir. C'est bon, tu peux sortir, tu peux aller jusque-là. Et tu peux aller jusque-là. Et là. C'est safe! Ça, après, il vient ici. Et il vient péter le mur là. Faut le temps, la patience. Je pense qu'il peut même sortir maintenant. Non? Parce qu'il est pas dans son truc de sécurité. C'est complètement débile d'ailleurs. Ouais, il le voit pas. Cool! Puis là, il faut juste faire attention que lui n'entende pas quand il casse ce mur. Donc je vais attendre qu'il s'éloigne. Attends, fais-le pas tout de suite. C'est bon. Vite. Ok. Ah mais toi t'as déjà... Ah ouais. Mince. Non j'allais dire, elle a déjà son inventaire plein, mais lui peut prendre, donc en fait c'est lui qui va ouvrir cette porte là. On va y arriver. Hein. On va y arriver, on va s'en sortir. Je pense que... ça va. Et alors du coup, on a accès là. Est-ce que c'est intéressant? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à faire ici? Bah à part la porte qui est coincée là. Attendez, mais non, mais j'ai pas assez de clés. J'ai pas assez de clés. Elle va utiliser ton caméra. Parce qu'en fait, porte de sécurité, c'est soit je vis ici et je vire les trucs de caméra. Soit je vais là. J'ai pas de clé en fait. Clé de porte d'acier. J'ai deux portes d'acier. Oh non, je suis dans la merde! Ah putain. Mais ils m'ont pas donné d'autres clés ici? Je me souviens pas. Non, il n'y a pas d'autre clé à prendre. Il y a juste une clé de sécurité, mais c'est pas une clé de porte d'acier. Comment on fait alors, alors en gros, je peux... Soit je vais là, soit je vais là. Le truc, c'est... Putain, c'est-à-dire que... Non, pour sortir, je suis obligée d'aller ici. Donc en fait, il va y avoir un problème, c'est avec les caméras, quoi. Il n'y a pas d'autre façon d'aller ici. Oh là là. Ah ben, je suis dans le caca quand même un peu. Hein. Je suis un peu dans le caca parce que il me manque une clé. Et oui, je peux venir... Bishop... je peux venir jusqu'ici. Ouais. Bah, je serai obligée. J'avais dit que j'enverrais Bishop, mais Bishop, il faut déjà qu'il fasse tac tac tac, après il vient... Ouais, mais il va se faire griller là. Putain. Il faut que j'aille ici. Il faut que j'aille ici. Pour désactiver les deux caméras. Mais ici, c'est juste fermé et on est loin, quoi. On n'y est pas du tout. Enfin, si, on peut y aller. Bah, je serai obligée. Je serai obligée d'y aller. Je vais envoyer qui? Peut-être Cléo.
un terminal de caméra avec une clé, elle pourrait utiliser son truc. Et pareil, la clé, porte de sécurité. Et elle a pas de brouilleur de caméra parce que j'ai le Covid, évidemment. D'ailleurs, dans les conduits, je peux pas utiliser. Excusez-moi, du coup, je réfléchis à haute voix parce que ben, je suis en train de me poser des questions. Ça, c'est l'activation de ce truc-là, d'accord. Ouais. Je suis obligée de faire ça en fait. La priorité, ce sera de venir ici. Bon, on va faire ça. On va casser la porte ici pour accéder là. Et en même temps, je vais faire partir quelqu'un pour venir ici pour aller désactiver ça. Sinon, ouais, c'est tout un merdier, mais j'ai pas le choix, hein, comme chat là, j'avais dire ça. Hein. Et c'est-à-dire que l'op Covid, je vais devoir le ramener. Voilà, l'op Covid, je vais devoir te ramener au lieu de te laisser là. Ouais, il faut que je te fasse faire le tour aussi, du coup. Oh là là, mais quel merdier! Tu vois ce que. Ouais, bah punaise, je t'ai persuadé que j'avais pris Bishop, quoi. J'aurais pris Bishop, j'aurais pas eu ce souci de tes deux clés. Bon. Bah. On va y arriver. Ouais, lui il vient arriver ici. Ok. Bah maintenant tu viens là. Salut. Et toi tu viens. Ça va, il regarde pas. Tu viens là. Est-ce que je peux faire rentrer Bishop? Ouais. Enfin. Bien reçu. J'ai pas le choix. Lui il s'en va. Lui il s'en va. Venir là s'il te plaît. Ça va être ok. Vous allez voir comme je suis souple. Lui, il est parti. Lui, il est là. Tu vas pouvoir aller là. Ok, toi. J'espère que c'est pas trop bruyant. Je sais pas. Bah, ouais. Non, c'est juste que ça prend du temps. Merde, si. Ouais, il va jusque là. Ok, mince. Qu'est-ce que je peux faire ? Parce qu'il va venir, il va venir là, il va venir là. Et lui, il est en train de revenir. Ah là là. Oh là 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 là. Et je peux pas le faire sortir pour l'instant. Il va se faire choper par les caméras. Si je le fais sortir là... Non, 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 je peux pas. Il vient là. C'est la seule solution, c'est qu'il aille là et que qu'il sorte de la pièce aussi. Quoi. Voilà. Comme lui, il est en garde. Ou alors je retourne en arrière. Non, je sais pas. Lui, c'est quoi? Un garde en armure, mais il résiste... Ouais. Je suis un peu coincée, là. Je suis un peu coinceuse. Je vais encore perdre.
Elle est là. Lui, il est là. Tu peux aller là, cocotte. Je suis très très coinceaux. Parce que là, il pourra pas se cacher. Oh là là. Et il résiste et tout, donc je peux pas le faire bouger. Si, il peut peut-être. Tu peux revenir là. Est-ce que tu peux revenir là? Non, pas par là. Bah non, ce qu'il y a lui. Oh là 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 là. Oh là 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 là, je vais perdre. Ça va me safe un truc vraiment pas confortable. Non, est-ce que je peux les... je peux les taper, les mecs, là. Mais lui, je peux le taper. Point au point de fer, donc en fait, je peux le taper. Retourne là, et puis tu vas le taper. Attends, j'ai que ça à faire. Lobkowitz, je l'avais laissé où, le pauvre? Je l'avais laissé là. Oh bah, je l'ai bien laissé au bon endroit. Ouais, ça va très bien. Tu peux venir là, du coup. Plus on est de fous, plus on y a du riz, ici, hein. Tu peux revenir jusque là, même. Et Cléo, peut-être que Cléo... Cléo... Cléo, elle me servira à rien, sauf qu'elle est rapide, donc ce serait intéressant. Je vais venir là. Bon. Alors, faut que je vais... Ouais, à chaque fois, en fait, je double-clique, mais... C'est passé quoi, ici ? Oh, il l'aurait même pas vu ! Je suis dégoûtée ! Il l'aurait même pas vu qu'il serait directement... Il aurait vu le trou, il aurait été voir... Oh là là ! Bon, voilà, il l'a assommé. Lui, il est parti. Il va falloir qu'on retourne ici. Avec Lobkowitz qui vient d'arriver en lieu sûr. Lobkowitz qui, je vous rappelle, va désactiver ici pour aller là. C'est un compliqué. Peut-être que je me complique la vie, hein, mais de toute façon, j'ai pas d'autre choix. Toi, tu as ton inventaire plein. Donc, tu vas utiliser... Attends. Terminal de caméra. Et tu peux... Oh là là! Tu vas déswitcher la caméra. Voilà, tu vas faire le truc vidéo, tu vas prendre la clé. Et ça, ça fait quoi? Ça ouvre les portes là. En quoi ça pourrait m'aider? Pas grand chose. Voilà, maintenant il faut qu'elle reparte dans l'autre sens. Lui, il arrive. Il arrive et va pile regarder la porte. Donc, tu vas venir là. Toi, tu vas pouvoir... Ouais. C'est bon, vas-y. J'espère juste qu'ils viendront pas là, mais de toute façon, pire, il y a encore une pièce. Ils peuvent se planquer dans le fond des bureaux. Cléo. Cléo, comme elle est méga rapide. Ah bah non, elle peut pas passer là, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, je suis obligée de les faire passer là. Oh là là, moi je sais plus. Tu vas aller là. Comme les autres, on fait avant toi. Non, 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 non. Trop tard, tu re-rentres là. Voilà. Ouf. Alors lui se relève. L'essentiel c'est qu'il vienne pas dans la pièce là. J'hallucine. Alors son nouveau tour de garde. Non c'est bon. Bah. On va y arriver. Hein. Après il faut que j'aie quelqu'un ici.
Ouais, lui, on peut pas le knock out, on peut pas du tout le mettre à terre. On peut pas. Il n'y a rien qui fonctionne. C'est un peu la merde. Toi, je vais te faire revenir au bercail. Ouais, tu vas venir. J'espère que tu auras le temps. Qu'il te voit pas. Non, trop tard. Est-ce que tu... Non, tu vas retourner là. Désolé! Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il retourne par là, d'accord. Cléo! C'est quand vous voulez. Cléo, c'est vrai que je t'ai laissé là. Lui, il revient. Lui, il est parti. Bon, allez. Faut que tu viennes, cocotte. Hein. It is your turn. Your turn to be safe. Safe. Voilà. Mine de... Elle est là. Elle pourrait faire ça, en fait. Je pourrais la garder ici pour... Comme elle est rapide, je pense que c'est pas mal. Bon. On a rattrapé nos bourdes. En avant. Il n'y a que toi qui est un peu coinceau. Bon, faut que tu viennes. Faut que tu viennes... genre loin. Je peux venir jusqu'où? Enfin, je crois que je suis au bord de la map. Tu viens là? Je la remets en lieu sûr et je pourrais vous laisser là pour cet épisode, mais punaise à chaque fois! Il a un tour de garde trop rapide, ce gars! Ça me stresse! Je vérifie, hein. Tac, tac. Elle est là. Faudrait que je la mette en lieu sûr ici aussi. Bon, on va attendre le tour de garde de ce monsieur et je vais vraiment m'occuper d'elle. Je vais être focus sur elle parce que sinon je vais jamais la ramener en lieu sûr et ce serait dommage. Tout. C'est pas grave, on va chanter en attendant. Alors, tu vas sortir. Voilà. Tu vas voir, remonte nous montrer comme t'es souple. Va carrément sous un lampadaire au cas où on t'aurait loupé. Hein. Il voit jusqu'où lui? Oh putain, il va nous voir. Ouh, reviens là. Wow. Non, c'est bon. J'aurais pu. Peux pas aller encore plus dans les rochers. Si. Bon, allez, c'est la bonne. Lui, il revient par là. Ah putain, mais il va pile regarder comme ça. Hé, hey, t'as un tour de garde de merde, mon gars! Comment j'ai pas pu repérer ça avant? Restez là un peu. Faudrait qu'il tourne le dos en même temps en fait. Ouais. Chaud. C'est bon. Cocotte, it is your time. You have to go right now in this room because you're gonna be fucked up otherwise. Go, baby, go! On croit en toi! Baby, go! Yes, it is you! Can do it and you don't! You've done it, babe! You're the best! You are the best! You are the best! Et j'en profite, tiens, je vais faire venir les deux zigotos ici. Oui! Et Cléo, elle est toujours là. Cléo, je vais faire venir les trois là. Et je serai bien avancée pour pallier la dernière, dernier truc du jeu, de cette mission, c'est-à-dire aller à l'ascenseur.
Donc moi je vous laisse ici pour cet épisode, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à faire un tour sur le lien YouTube dans la description pour regarder quelques pubs, pour me donner des petits sous sans que vous déboursiez quoi que ce soit. Moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la suite de Crooks ou d'autres choses sur ma chaîne. Allez, salut!